Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course, donc un peu plus structuré que le dernier, donc j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais vraiment comme je vous avais dit, c'était l'anarchie, c'était sans liste de courses, sans menu, vraiment c'était les premières courses on va dire après le ramadan. Donc là je reviens avec un retour de course avec des idées recettes et menus de la semaine, mais bien sûr j'avais fait une liste de courses. Alors c'est quand même un petit peu particulier puisque j'ai fait une liste de courses comme vous voyez là. Mais si vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, j'ai repris le sport. Et franchement, j'ai fait un parcours de militaire et du coup je me suis payé des courbatures mais vraiment de malade, je peux à peine marcher. Bref, j'ai super mal aux cuisses. Du coup mon mari m'a proposé d'aller faire les courses. Mais il a oublié pas mal de choses ou il ne trouvait pas mal de choses, vous savez, hein, même s'il m'a appelé entre temps. Donc j'ai dû quand même retourner, faire, mais j'ai fait un petit ticket et j'ai dû aller à la boucherie juste derrière. Donc lui il en a eu pour à peu près 80 euros, moi j'en ai eu pour à peu près 35 euros, voilà, et à la boucherie. Donc voilà, j'ai fait un ticket de 32 euros, je vais vous montrer de suite pour ranger, bon je vais pas vous montrer, c'est que de la viande. J'ai pris du pâté, j'ai pris des tranches de poulet et de dinde. J'ai pris de la mousse de canard et j'ai pris 2 kg de viande hachée. Puisque franchement, depuis que j'ai fait ma réserve de viande, donc c'était le 10 mars, il me semble, avant le ramadan. Donc vraiment, j'avais payé 200-300 euros, il me semble. Mais depuis ce jour-là, je n'ai pas racheté de viande. Donc vraiment, ça m'a tenu jusqu'ici, là. On est le 5 juin et jusqu'ici, je n'ai pas racheté de viande. J'ai racheté ici, j'ai racheté deux fois de la viande et encore, c'était mon frère. Pour faire un barbecue quand j'ai reçu ma famille, voilà, j'ai racheté une ou deux fois de la viande pour deux barbecues, mais vraiment juste ce qu'il me fallait pour le barbecue. Bref, donc là j'ai pris 2 kg de viande hachée et il me reste encore des escalopes de poulet, des cuisses de poulet, des pilons de poulet, des poulets entiers, donc oui on mange beaucoup de poulet, et tout ce qui est nuggets, ce cordon bleu, etc. Et aussi un petit peu d'escalopes de dinde et de jarrets de dinde il me semble. Donc franchement, j'ai encore pas mal de choses, j'ai racheté que de la viande hachée. Puisque cette semaine, je vais cuisiner un petit peu différemment pour gagner du temps au niveau des préparations, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ce que j'ai acheté à la boucherie, donc je vais ranger ça de suite. J'ai pris deux choses sur le drive, donc j'ai pris des fruits congelés comme ça. Voilà, des fruits rouges et du parmesan, c'est tout ce que j'ai pris sur le drive. Donc là, je vais vous montrer tout ce qui est congelé pour pouvoir le ranger directement. Toutes les courses, je les ai faites chez Lidl, donc à part la boucherie et les deux choses du drive. J'ai acheté deux packs d'eau et deux packs de lait, je vais pas vous montrer, qui sont juste ici. Et ensuite, j'ai acheté, donc quand j'ai acheté, c'est mon mari qui a acheté. Alors, je vais vous montrer. Elle est où la liste de courses? Alors, sur la liste de courses, je lui ai bien mis tout par rayon, vraiment dans l'ordre du magasin, pour qu'il ait juste à suivre, voilà. Et je lui ai mis ici surgelé ou boîte. Alors bah lui il s'est pas pris la tête, il a pris surgelé et boîte. Par exemple ici il m'a pris des champignons, donc je lui avais mis surgelé ou boîte selon ce qu'il trouverait. Donc il m'a pris des choses, voilà, là il les a pris en surgelé, mais il les a pris aussi en boîte. Et en plus je lui avais mis les quantités et du coup il a pris vraiment les quantités quoi. J'avais mis deux, donc là il a pris deux. Mais bon, c'est pas grave, hein. Franchement, quand il se propose de faire les courses, il faut pas, enfin, ou peu importe que ce soit autre chose, il faut rien dire. Ça nous dégage du temps et ça nous rend bien service quand même. Donc, j'ai pris des champignons. Je vais vous montrer les petites gourmandises que j'ai pris. Donc, c'est les seules choses que j'ai pris qui ne seront pas, on va dire, healthy, saines, équilibrées et tout ça. Donc, j'ai pris ces glaces-là, c'est une nouveauté. Et donc, c'est le fruit du dragon. Et franchement, je vais vous dire direct. J'en ai mangé une directe, elles sont trop bonnes. Et vraiment c'est des petits formats, donc moi c'est ça que j'ai bien aimé, parce que moi je prends des magnums mais je les finis jamais. Et du coup ça c'était top. Moi je suis plutôt petite glace, voilà, on peut se faire plaisir une fois tous les 15 jours, c'est pas ça qui va vous tuer. Donc ensuite j'ai repris cela pour les enfants, parce qu'en fait à chaque fois je prends les multi là, les mix, les petits magnums, et ils se battent tout le temps pour cela. Donc ici il y avait que ceux aux amandes par 16, il coûtait 2,29€, donc j'ai pris cela. Et j'ai aussi pris ceci, vu que d'habitude ils y sont pas. Pareil, ils étaient en promo 2€ et quelques, ou 1,99€, je sais plus.
par 12. Donc comme ça fait un petit stock de glace pour les enfants vu que le soleil est de retour, même si c'est pour pas très très longtemps. Donc ensuite, je vais continuer avec ce qui est un peu plus équilibré parce que j'ai décidé vraiment là c'est bon de me remettre en cuisine, de refaire des plats équilibrés comme vous avez vu voilà dans ma dernière vidéo normalement. Donc j'ai pris, quand je vous dis j'ai pris, vous avez compris, hein, il a pris mieux. Donc des brocolis. Ici des fraises pour faire des smoothies, des fraises. Donc, il a pris surgelées et il a pris aussi fraîches. Des haricots verts comme ceci. Donc là, il n'y a vraiment pas grand chose de surgelé déjà parce que j'avais pas de place dans mon congélateur. Donc bien sûr, j'ai vraiment attendu de vider mon frigo. Là, mon frigo, il est vide. Hein. Normalement, je devais faire les courses depuis déjà 2 jours. Mais comme je vous ai dit, c'était impossible pour moi d'y aller, de rester pendant 1 heure à tourner dans le magasin et tout, avec mes courbatures. Et là, vraiment, le frigo, il est archi vide. Il doit rester 3 bananes dedans, et, on va dire quelques perles de lait. Bref, donc, mais par contre, dans mon congélateur, j'ai quand même, comme je vous ai dit, encore de la viande, voilà, des choses, des petits légumes par-ci par-là. J'ai pas mis grand-chose sur la liste pour le surgelé. Donc là, je vais ranger le congelé et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai rangé mon surgelé et avant de poursuivre avec le frais, je vais vous montrer la machine que j'ai achetée chez Lidl. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, mais je voulais pas vraiment montrer en détail, j'ai juste fait une recette avec. Donc il s'agit d'un appareil à smoothie, voilà, comme ça. Il existe en vert, il me semble, soit c'est vert, soit c'est bleu. Et gris, donc moi j'ai pris gris. Donc c'est, comme je vous ai dit, un blender pour les préparations. Il fait ice crush, donc glace pilée. Il y a 2 gobelets dedans, de 300 et 600 ml. Franchement, ça m'a trop donné envie. Facile à utiliser grâce au bouton rotatif, lame en croix acier inoxydable, gobelet, couvercle et lame compatible à vaisselle. Donc ça c'est top. Donc voilà, franchement ça donne trop envie. J'ai fait un smoothie comme ça d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai acheté des fruits congelés. Et justement il me manquera juste une chose que j'ai pas trouvé et que mon mari n'a pas trouvé non plus en rayon. C'est des épinards frais pour faire des green smoothies. Franchement j'ai trop hâte. Donc il me manquera juste ça. Donc j'ai aussi pris ces verres double paroi, ici elles sont avec anse et ici c'est sans anse, donc j'en avais déjà pris l'année dernière mais ils étaient de forme un peu plus carrée. Donc je vais vous montrer, je les ai sortis pour vous montrer, voilà comment ils sont, franchement je les trouve trop beaux. Ça c'est pour ceux-là, pour le cappuccino, et ceux d'en haut c'est plus pour le thé, mais moi je les utilise aussi pour le cappuccino, etc. Je vais vous montrer ceux de l'année dernière. Ils sont juste là. Donc voilà, l'année dernière, ils étaient un peu plus carrés, on va dire. Là, je les trouve arrondis. Je trouve que c'est plus... je sais pas, j'aime bien ces petites courbes comme ça, un peu plus arrondies. Vous voyez? Donc voilà, ils étaient à 6,99 le paquet. Il y avait par 3 pour les cappuccinos, par 2 pour le thé, par 4 pour les expressos et par 2 pour les latte macchiato caramel. Donc voilà pour ce qui n'est pas alimentaire. Mes courses. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui est frais. Donc, il a pris du beurre doux, mais je lui avais dit du beurre, bah, vous savez, en plaquette. Donc bon, bah, c'est pas grave. Donc, bah, il en a pris 2, vu que j'avais noté 2, mais j'en ai repris quand même. Du coup, bah, moi, je me suis dit que j'allais prendre du beurre demi-sel. Vu que lui avait pris du beurre doux, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris des fromages à croque-monsieur et hamburger. J'avais vraiment plus du tout de fromage. De la vache qui rit, du kiri, donc les imitations, de l'emmental. Donc ici, j'ai pris un gros format. Il me semble que c'est ouais, 500 grammes, parce que mon fils, il adore ça. Il mange quasi que ça. Donc j'ai repris des pâtes brisées plutôt. J'aime pas trop la pâte feuilletée. Avant j'aimais bien, mais maintenant avec les enfants, franchement, quand ils mangent, ils me les fritent de partout. Et bah, du coup, il y a des miettes de partout, ça me stresse. Du coup, je prends pâte brisée pour mes quiches, etc. J'ai repris de la crème fraîche comme ça. Du fromage, le mix là de 3 fromages. Mozzarella, emmental et masdam. Celui-là, il est top. Donc j'en ai pris 2. Petite promo que j'ai trouvée. Moi, en y allant la deuxième fois. Donc c'est du colin d'Alaska. Il y a 4 filets dedans. Il était à moins 30%.
Donc il a pris des lardons comme ceci. Mais maintenant je pense que je vais vraiment privilégier d'acheter déjà la viande, je l'achète normalement que chez le boucher. Mais je pense que la charcuterie aussi, maintenant qu'ils ont ouvert une petite boucherie pas très très loin de chez moi qui est sympa et propre, voilà, qui propose des belles choses, je pense que je vais plus acheter de charcuterie là-bas. Donc des yaourts comme ça pour les enfants aux fruits, des yaourts comme ça pour moi. Donc moi je lui avais demandé un gros pot, mais bon, il a trouvé en individuel, bon c'est pareil. C'est des fromages blancs à la vanille et ça sera surtout pour faire mes smoothies. Voilà, ou mes bols avec le muesli, etc. Donc pour ce qui est de frais, il me semble que c'est tout. Voilà, donc je vais ranger le frais et je vous retrouve juste après. Donc pour le reste, franchement, c'est principalement des fruits et des légumes. Voilà, donc j'ai repris deux paquets de pain de mie. J'ai repris en fruits des pommes, des pêches, des oranges. Ensuite, des bananes. Voilà. Donc ça c'est pour les enfants. J'en prends toujours des mûres et des moins mûres, dès qu'ils peuvent manger maintenant, et d'autres qui vont rester un peu plus longtemps. Ensuite des fraises, donc j'en ai en surgelée et en fraîche. Bon c'est pas si grave, ça va aller dans les smoothies, dans les salades de fruits, etc. C'est la bonne période. Des poires. Donc vraiment là le plein de fruits et de légumes. Des raisins sans pépins, comme ça pour bébé. Enfin, c'est pour tout le monde, mais... Des myrtilles, une pastèque, une baby pastèque, des kiwis. Donc voilà, je sais pas, peut-être il a pas trouvé de... D'habitude, on prend en barquette, mais là, il y a des choses qu'il a pris comme ça, parce qu'à mon avis, il a pas dû trouver. Ensuite, en légumes, il a pris des pommes de terre, donc comme ça, un gros sachet. On en a plus du tout. Des oignons, donc oignons rouges. Ah bah, je pensais qu'il les avait pas pris. Du coup, j'en ai repris. Bon bah c'est pas grave, franchement les oignons rouges c'est super bon, ça passe dans tout et c'est pour faire des bols, vous savez, avec oignons, avocat, enfin vous savez un petit peu les choses healthy là, avec soit de la viande, soit du saumon, du riz, des légumes, brocoli, etc. Donc ça va passer avec tout. Donc il a pris des blancs aussi. Oignons blancs, ensuite des poivrons, donc des poivrons en gros comme ça, nous on aime trop les poivrons marinés, d'ailleurs vous avez dû voir dans ma dernière vidéo, mais vraiment, hein, genre pendant le ramadan, je pouvais en faire tous les jours, mon mari il aurait pu en manger tous les jours. Et aussi j'en ai pris des petits comme ça, ceux-là ils sont hyper doux, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir, voilà. Ensuite, des patates douces, donc comme je vous ai dit, hein, on se remet en mode healthy, rééquilibrage alimentaire, summer body, non je rigole, tout le monde a un summer body, tant que vous vous sentez bien c'est le principal. Donc un concombre, des courgettes, des tomates cerises, donc des champignons frais, comme vous avez vu il a aussi pris des champignons congelés, et des champignons en boîte. Celle-là, je m'y attendais pas, hein, vraiment. Là, on a fait un trio de champignons. Mais bon, c'est pas grave, ça sera consommé quand même. Hein. Donc, ensuite, des radis. Franchement, j'en ai pris 3, donc il y en a 2 là derrière. Hop, ici. Mais franchement, en ce moment, les radis, c'est pas du tout ça. Hein. Franchement, je suis dégoûtée parce que je mange que ça vraiment 24 sur 24, matin, midi et soir. Voilà, c'est mes petites collations, mes petites gourmandises. J'aime trop, trop, trop les radis. C'est plein de bienfaits à chaque fois. À chaque fois, vous m'identifiez sur Instagram dès que vous achetez des radis, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et aussi, vous me demandez est-ce qu'il y a des bienfaits ou est-ce que c'est juste une obsession comme ça. Donc, bah, les deux, hein, les radis, vraiment, il y a beaucoup de bienfaits. Je vous invite à aller regarder sur Internet. Les radis roses, c'est plein de bonnes choses. Donc, mais par contre, j'ai pris des bio, j'ai pris sur le Drive, j'ai pris chez Lidl. Et là, en ce moment, les radis, c'est plus du tout ça. Bref, donc bah, j'en ai quand même pris, hein, puisque bah, je ne sais pas m'en passer. Ensuite, des avocats, de l'huile d'olive, du ketchup. Donc habituellement, je prends celui avec le bouchon bleu, moi. Pourtant, j'avais bien précisé sur la liste de courses ketchup allégé. Bon, j'en mange pas, hein, mais pour les enfants, puis, de temps en temps, ça m'arrive quand même d'en prendre un tout petit peu, de temps en temps. Ensuite, des carottes, j'ai repris des pâtes parce que j'en avais plus du tout, donc des macaronis pour faire des mac and cheese,
dépenné. Donc ça, ça sera pour accompagner des one pot pasta. Et j'ai pris des pâtes comme ça aussi, des torsades, et d'ailleurs avec la crème fraîche, etc. pour faire la recette avec la sauce Alfredo. J'ai pris un gros paquet d'œufs parce que j'en avais plus du tout. J'ai tout utilisé pour l'anniversaire de bébé, mes épices à salade. Donc je prends tout le temps que je mets de partout, dans les salades, dans les plats, dans les marinades. Vraiment ça c'est ma meilleure épice. Des petites boîtes de maïs comme ça, de la béchamel, donc j'en ai pris qu'une. Du thon, donc ça ce sera soit pour une salade, soit pour une quiche au thon. Des champignons, mais en même temps mon mari il est fan de champignons, hein, donc peut-être que ceci explique cela. Et ensuite j'ai pris des boissons, donc voilà c'est surtout pour... pour les goûter, pour les petits déj et aussi pour les smoothies. Donc j'ai repris, donc la dernière fois dans mon dernier retour de course d'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a dit que j'avais pas assez de boissons, mais franchement les gars, j'achète 6 bouteilles par semaine, donc de boissons. Donc même si vous buvez une bouteille par jour, enfin je sais pas combien vous êtes dans vos familles, mais nous même une bouteille par jour c'est suffisant, hein. Comme je vous ai dit, j'ai acheté 2 packs d'eau, c'est notre boisson principale. Donc j'achète un petit peu de sirop quand vraiment il y a plus de boissons et que les petits veulent un petit verre de sirop. Mais autrement, les autres boissons, c'est juste un petit verre le matin ou au goûter. Ou alors, comme moi, je vais en mettre un petit peu dans mon smoothie ou des choses comme ça. Donc, pour le matin ou pour le goûter. Donc, moi, je trouve que c'est suffisant. En tout cas, dans le but de toujours de ne pas surconsommer du sucre, quoi. Donc, ici, j'ai pris jus d'orange. Enfin, j'ai pris... Il a pris multivitaminé, jus de pomme, du jus de clémentine, donc déjà entamé, et j'ai pris jus d'ananas, et par contre il me manquait juste jus de raisin, donc il n'a pas trouvé jus de raisin. Et ici une Hawaï, donc pour mon mari, vous savez, hein, Hawaï c'est la base. Donc voilà pour mon retour de course. Comme je vous ai dit, on en a eu pour à peu près 150 euros, avec la viande, etc. Donc je trouve que c'est raisonnable. Je vais pas vous dire que c'est pour une semaine, pour 10 jours, voilà, moi tant que j'ai des courses et que je tiens, bah tant mieux. Donc maintenant que j'ai fini mon retour de course, je vais passer au menu de la semaine que je vais vous lire, puisque vous ne verrez pas forcément. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Donc, pour lundi, ça sera des bols, donc avocat, saumon, fromage et riz. Mardi, ça sera du chili, donc je sais pas, j'avais envie de chili con carne, donc avec viande hachée, des haricots rouges, etc. Mercredi, poulet pané, sauce Alfredo, penne avec des champignons et des épinards frais. Le jeudi, ça sera lasagne bolognaise. Le vendredi, ça sera nouilles, poulet, champignons, crème. Le samedi, ça sera boulettes de viande hachée, riz, brocoli et tomates cerises. Le dimanche, ça sera quiche au thon, salade verte. Et je me suis prévu un repas express au cas où j'ai pas le temps. En plus, mac and cheese, donc un gratin de pâtes, béchamel, cheddar, etc. Donc voilà pour mon menu de la semaine. Franchement, je me sens hyper bien d'avoir fait une liste de courses, d'avoir fait un menu de la semaine, de pouvoir recommencer, d'organisation, etc. J'avais trop du mal après le ramadan à me remettre dans le bain, mais là ça va, c'est bon, je suis repartie. J'ai repris le sport, j'ai repris le rééquilibrage, enfin, de manger correctement, parce que c'est vrai qu'en ce moment... Pour être honnête avec vous, je me nourrissais pas tellement. C'est pas que, je sais pas, j'avais pas faim en fait. Je suis restée en mode ramadan. Bon déjà, mon estomac, vous savez que je mange en petite quantité, donc il est déjà voilà. Et ensuite avec le ramadan, ça a rajouté une couche. Voilà, pendant le ramadan, j'ai perdu 4 kilos. Donc bon, là j'en ai repris un. Donc bon, c'est déjà ça. Et j'avais du mal de me remettre dans le bain. Et comme j'avais jamais faim en fait, j'avais du mal de cuisiner. Donc c'était du vite fait, voilà. Mais il me reste quand même des petites choses de vite fait dans le congélateur, hein, comme je vous ai dit, des légumes, pour les enfants, des nuggets, des cordons bleus, des crêpes au fromage, du poisson pané, etc., ce genre de choses. Donc vraiment là, j'ai de quoi tenir un petit 15 jours. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !